Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue en ce jeudi de notre congrès. Cette conférence va être donnée en français. Aussi, je vous encourage à prendre les traductions simultanées, le cas échéant. J'aimerais commencer par faire deux ou trois annonces. La première, c'est vous dire qu'un certain nombre de conférences ont été modifiées. Il y a des changements dans le programme. Je vous encourage à utiliser l'application pour suivre ces modifications. J'aimerais toutefois préciser que les sessions PS8C et PS9C ont été annulées, mais que nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que le symposium annoncé en français sera lui-même assorti d'une traduction simultanée en anglais. Enfin, le African Network Meeting aura lieu à 14h30 à la salle 6. Concernant notre conférencier de ce matin, il se trouve que j'ai participé à une émission de radio en janvier 2017, émission organisée par la radio-télévision suisse. Le thème était Flower Power et l'émission invitait une série de personnes à parler pendant une semaine à propos des plantes. C'était pour moi l'occasion de parler du bicentenaire des conservatoires et jardins botaniques, d'annoncer cette conférence et puis de parler des nouvelles missions des jardins botaniques. Et puis, pendant la semaine, mercredi, si mon souvenir est bon, mais je ne suis pas sûr, j'ai eu la chance d'entendre un philosophe qui était interviewé sur l'éthique et particulièrement sur la dignité des plantes. Alors, j'ai trouvé que c'était un thème fantastique pour cette conférence. Avoir le point de vue d'un philosophe, et pas seulement d'un philosophe, sur les plantes, mais aussi sur la dignité des plantes. Alors, nous avons invité Bernard Bertschy. Je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bernard Bertschy a obtenu un doctorat en philosophie à l'Université de Fribourg en Suisse. Et puis, au cours de sa carrière, il s'est intéressé à l'éthique fondamentale et au rapport entre la philosophie et la médecine, notamment à la bioéthique qu'il a enseignée à l'Université de Genève aux élèves suivant les cours de médecine et de philosophie. Il a été notamment membre de la Commission fédérale d'éthique entre 2002 et 2014 et a participé dans ce cadre à la rédaction de diverses prises de position, dont deux que j'aimerais citer, le génie génétique dans l'alimentation en 2003 et la dignité de la créature dans le règne végétal en 2008. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Bernard Bertschy. Merci, je suis très heureux et très honoré d'avoir été invité. Effectivement, les choses parfois tiennent à peu de choses, puisque une émission de radio parfois nous donne des idées. Alors effectivement, comme on vous l'a indiqué, je me suis occupé de bioéthique, mais j'étais dans la commission fédérale qui a dû essayer de préciser ce qu'il fallait entendre en gros par dignité des plantes, ce qui est un peu bizarre, je pense, pour beaucoup d'oreilles, peut-être pas vous qui vous occupez beaucoup de plantes et de végétaux, mais j'entends pour le grand public ou même pour les, ou prenez le cas des médecins, parler de dignité des plantes confine à l'absurde souvent. Alors bon, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en est venu à parler de la dignité des plantes en Suisse, parce que c'est quand même jusqu'à maintenant surtout quelque chose qui s'est passé en Suisse, même s'il n'est pas exclu que ça s'étende. Et voir un peu ce que signifie ce concept de dignité dont on parle alors beaucoup, surtout quand on parle de la dignité de l'être humain, sans souvent dire exactement ce qu'il veut dire, justement. Il y a eu des débats dans le domaine de la bioéthique, bon, peut-être surtout aux États-Unis, avec des prises de position assez virulentes entre Ruth Maclean disant que la dignité est un concept inutile et Steven Pinker, qui est un psychologiste, parlant de « the stupidity of dignity », suite effectivement à des
des mouvements qui étaient autant politiques que je dirais qu'intellectuels, ont tâché de voir un petit peu de quoi ils retournent. Alors, je vais traiter trois points. D'abord, faire un petit historique. Comment est-ce que la dignité est arrivée, la dignité des êtres non humains est arrivée dans la Constitution suisse. Et puis, une petite réflexion, enfin, une petite élaboration conceptuelle sur le concept même de dignité et de statut moral, en partant bien sûr de l'être humain, puisque c'est à partir de là que le concept a été développé. Et enfin, en troisième point, comment en Suisse on a essayé de donner un sens à la dignité des êtres non humains, animaux d'une part, et puis végétaux d'autre part. Et puis je vous laisserai conclure vous-même pour savoir si, d'après vous, ça a un sens ou ça n'a pas de sens de parler de dignité des plantes. Voilà, alors le premier point, donc il y a une initiative en Suisse qui, en 1987, a été lancée, et la voici. C'est ce qu'on a appelé l'initiative du Beobachter. Le Beobachter était un journal, une revue suisse qui a lancé une initiative afin de protéger l'être humain, il s'agissait uniquement de l'être humain, contre, disons, un certain nombre de ce que l'on craignait être des dérives de la génétique, les manipulations génétiques, etc. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les débats actuels sur CRISPR-Cas9, ces débats sont pas complètement nouveaux, en tout cas. Il y avait donc cette initiative, et comme vous le voyez bien, elle insistait déjà sur le respect de la dignité de l'être humain. Mais il s'agissait uniquement de l'être humain. Voilà, donc comme vous le savez, en Suisse, quand on lance une initiative, on récolte des signatures, et quand on obtient un certain nombre de signatures, on peut demander un vote populaire. L'initiative du Beobachter a abouti, c'est-à-dire qu'elle a récolté suffisamment de signatures, et elle a été jugée suffisamment importante, bien qu'un peu dangereuse, par le Conseil fédéral, pour qu'il propose un contre-projet. Donc, quand il y a une initiative, soit on vote simplement sur l'initiative, soit le Conseil fédéral élabore un contre-projet qui tient compte de certains points de l'initiative, mais pas tous. Et après, on peut voter sur les deux. Ou alors, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'initiative est retirée. On ne votera donc plus que sur le contre-projet du Conseil fédéral. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. L'initiative a été rejetée en 1991. Et donc, nous avons voté, le peuple suisse, uniquement sur le contre-projet. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce contre-projet, qui a été accepté en 1992, ne s'occupait pas plus uniquement de l'être humain, mais aussi des êtres non humains, c'est-à-dire les animaux et les plantes, d'une certaine manière. Et donc, il y a eu un élargissement de du champ de l'initiative. Alors, ça a été donc accepté, effectivement, en 1992, vous voyez, à trois quarts des votants ont accepté le nouvel article constitutionnel, qui était c'était l'ancienne constitution encore, l'article 24-9, qui était refusé par un quart. Alors, que dit cet article exactement ? Alors, je vous en donne la version dans la nouvelle Constitution, parce qu'on a revoté sur la Constitution en Suisse, qui est actuellement l'article 120. Et voilà ce que l'article 120 nous dit. La Confédération... Alors, attention, là, il va y avoir une petite difficulté. Je vous le lis en français, mais après, on va regarder le texte anglais qui reprend plus précisément le texte allemand. Il y a une différence importante. La Confédération, est-il dit en français, légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. Ce faisant, elle respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'être humain, de l'animal et de l'environnement, et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. Il faut préciser aussi qu'il y a un article 119 qui parle de l'être humain. Le 120 parle des êtres non humains. En français, on parle de respecter l'intégrité des organismes vivants. Mais en anglais, c'est to take account of the dignity of living beings. Et c'est bien ce qui est aussi indiqué en allemand. Il s'agit de respecter die Würde der Kreatur.
Donc, c'est un problème sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que c'est un problème pour les juristes. Mais il est clair que la traduction n'est sans doute pas une tout à fait correcte. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans cet article 120 de la Constitution suisse, on nous demande de respecter la dignité des créatures. Créatures, là aussi, ou disons des êtres vivants, restons-en là, ce sera plus simple. La question, bien sûr, est de savoir, ça c'est un article de la Constitution, la question, bien sûr, est de savoir qu'est-ce que ça veut dire du point de vue légal et comment appliquer cela. Alors, je vais en parler, mais je ne vais pas y venir immédiatement. Je vais faire un détour par deux concepts qui sont liés, qui sont importants pour comprendre ces développements. C'est les concepts de statut moral et concept de dignité. Je vais partir du concept de statut moral parce que c'est le concept le plus fondamental et c'est très facile à comprendre. Voilà ce que dit la philosophe anglaise Mary Owen Warren. Avoir un statut moral, c'est avoir de l'importance morale ou d'avoir un standing moral. C'est être une entité envers laquelle les agents moraux, c'est-à-dire les êtres humains essentiellement, ont ou peuvent avoir des obligations morales. C'est une entité à un statut moral si on ne peut pas la traiter de la manière que nous voulons. Autrement dit, il y a des êtres, on ne dit pas lesquels pour l'instant, qui ont une importance morale, qui ont un statut moral, et cela fait qu'on a des obligations envers ces entités. Vous voyez, on voit immédiatement qu'un être humain a un statut moral et qu'un morceau de bois n'a probablement pas de statut moral. On peut en faire ce que l'on veut. Voilà donc ce qu'est la notion de statut moral. Alors bien sûr, la question ensuite, sur laquelle je ne vais pas m'étendre indéfiniment, mais c'est de savoir quels sont les êtres qui ont un statut moral. Et deuxième question, qu'est-ce qui fonde ce statut moral? Pourquoi les êtres humains ont-ils un statut moral et pas les bouts de bois? Quelle est leur caractéristique qui leur donne cette importance morale? Alors, l'idée, c'est que les êtres ont une valeur, la plupart des êtres ont une valeur, et il existe deux types de valeurs. Il existe des valeurs qu'on appelle intrinsèques, c'est-à-dire la valeur qu'un être a par lui-même. On dira volontiers qu'un être humain a une valeur par lui-même et une valeur qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui. Il a une valeur intrinsèque. C'est pourquoi on doit le respecter pour ce qu'il est, et pas seulement pour son utilité ou pour ce qu'il a pu faire, etc. Ça, c'est la valeur intrinsèque d'un être. Les êtres ont aussi, bien sûr, des valeurs instrumentales. On peut les utiliser. Les parents ont une valeur instrumentale pour leurs enfants, puisque les enfants ont besoin des parents pour pouvoir survivre. Donc, en plus de leur valeur intrinsèque d'être humain, ils ont une valeur instrumentale de parents. Et puis, il y a des valeurs relationnelles. Par exemple, justement, les parents et les enfants développent, quand tout se passe bien, des relations d'affection et d'amour, sont des valeurs relationnelles qui sont basées sur les relations humaines. On dira la même chose des animaux. Un animal de compagnie a une valeur affective ou relationnelle en plus de sa valeur intrinsèque s'il en a une. Voilà, je crois que c'est assez facile à comprendre. La plupart, en tout cas pour les êtres humains, prenons cet exemple, c'est plus facile. Les êtres humains valent par eux-mêmes, mais ils valent aussi, ils ont une valeur additionnelle, pourrait-on dire, en fonction des différentes relations qu'ils entretiennent avec leur environnement et en fonction des différents rôles sociaux qu'ils peuvent avoir. Voilà, donc ça c'est le principe général. Donc le statut moral d'un être dépend de sa valeur intrinsèque, dépend de ce qu'il est. Pour dire les choses très rapidement, un être humain a une valeur par lui-même, il a on dira une dignité par lui-même, il a des droits fondamentaux, quel que soit l'avis que les autres ont sur lui. Et même si c'est une franche crapule, on prend toujours l'exemple d'Hitler, évidemment, c'est un peu facile, mais on le comprend bien, Hitler, en tant qu'être humain, possède la même valeur que tout être humain. Bien sûr, par ses actions, il possède une valeur morale extrêmement négative. On voit bien la différence, pas ? Et un philosophe comme Emmanuel Kant au XVIIIe siècle disait que même les criminels doivent être traités avec une certaine dignité parce que ce sont des êtres humains. Bien, voilà donc, vous voyez, un être, les êtres humains en tout cas, peut-être d'autres êtres vivants,
ont une valeur intrinsèque et ceci leur donne un statut moral. Alors, bien sûr, cette valeur intrinsèque des différents êtres dépend de leur propriété, dépend de ce qu'ils sont. Par exemple, on dira qu'il y a des êtres qui sont seulement là, comme les montagnes et les rivières, et cela, dans le fond, donne une assez faible base pour leur attribuer une valeur intrinsèque, même si, bien sûr, ils peuvent avoir une valeur relationnelle très importante. Une belle montagne, une rivière qui nous inspire, peuvent avoir une grande valeur pour nous, mais en fait, c'est simplement un élément naturel. Par contre, les plantes, déjà, ont des propriétés qui leur donnent, semble-t-il, une certaine valeur. Ils ont des besoins. Si on laisse mourir une plante de soif, c'est sans doute montrer un certain mépris pour cette plante, mais peut-être qu'on pourrait dire que cette plante a le droit, mettez des guillemets, à recevoir de l'eau, parce que, dans le fond, elle a un besoin de continuer à vivre. Et puis, il y a d'autres êtres, comme les êtres humains et les animaux, qui, eux, ont des intérêts. Et beaucoup plus facile à comprendre qu'on peut frustrer ses intérêts, qu'on peut les faire souffrir, qu'on peut ne pas remplir faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à développer leurs aspirations. Et cette propriété d'avoir des intérêts, effectivement, est un fondement adéquat, semble-t-il, en tout cas beaucoup le pensent, pour leur attribuer une valeur intrinsèque. Les êtres, notamment les animaux, valent par eux-mêmes parce qu'ayant des intérêts, ils ont un intérêt intrinsèque à voir leurs intérêts, avoir ces intérêts satisfaits. Bien, alors, en gros, on peut dire qu'on raisonne comme ça dans cette question du statut moral. Je prends l'exemple des êtres humains. Les êtres humains ont des propriétés qui leur donnent une certaine valeur. Ils ont des intérêts, par exemple, et on dira souvent qu'ils ont notamment des intérêts rationnels, et ceci les opposera aux animaux. Les êtres humains sont doués de raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont responsables de leurs actes. Ils ont une conscience morale. Il y a toute une série de propriétés qui, semble-t-il, des propriétés de l'être humain, qui, semble-t-il, leur donnent une valeur intrinsèque. Traditionnellement, on disait que les êtres humains possèdent la raison par opposition aux animaux qui ne possèdent qu'une sensibilité. Ces propriétés intrinsèques leur donnent une valeur intrinsèque. Avoir une conscience morale, avoir une conscience nous donne une valeur intrinsèque. D'ailleurs, on s'en rend bien compte quand on évoque des maladies comme la maladie d'Alzheimer ou des maladies dégénératives du système nerveux. Elles nous font particulièrement horreur, particulièrement peur, parce qu'on a l'impression qu'elles vont nous faire perdre notre valeur d'une certaine manière, qu'on ait raison ou tort. Cette valeur intrinsèque, c'est ceci qui s'appelle la dignité. Dignité veut simplement dire, et je vous citerai un ou deux textes, mais c'est la signification qu'on observe dans toutes les traditions, la dignité d'un être, c'est sa valeur intrinsèque, c'est le fait qu'il vaut par et pour lui-même. Et vu cette valeur-là, eh bien, cet être-là a un statut moral. Pour l'être humain, on dit souvent que le statut moral de l'être humain, c'est d'être une personne. Voilà, je vous rappelle juste pour illustrer ce point, le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains, on pourrait dire toutes les personnes, naissent libres et égales en droit. Elles sont douées de raison et de conscience. Vous voyez, donc, c'est typiquement la manière classique de voir les choses. Bien, alors, ceci maintenant pour illustrer de manière un petit peu amusante la dignité humaine et pour introduire le fait que dignité a souvent plusieurs significations. C'est une caricature d'Honoré Daumier qui dit ceci: Madame Prudhomme, c'est le nom de ces deux-là, ne nous pressons pas, rappelons-nous que la dignité doit présider à tous les actes de notre vie. La dignité seule distingue l'homme du reste des animaux. Regardez le fiston qui essaye de gonfler le ventre autant que son père. Voilà, il suffit qu'il attende quelques années, probablement ça ira tout seul. Mais il y a cette idée qu'il y a une dignité propre à l'être humain. Alors est-ce que c'est se promener comme ça sur la plage qui nous donne cette dignité? On peut en douter. Mais il y a quelque chose qui donne une dignité propre à l'être humain. Et c'est intéressant, le texte souligne qu'il le distingue des animaux. Parce que ça, anthropologiquement, il faut remarquer qu'effectivement, l'être humain a eu tendance, depuis très longtemps, à se définir en s'opposant aux animaux et bien entendu aux plantes. Mais ceci montre que le concept de dignité, il faut faire attention,
a plusieurs sens. Là, dans cette caricature, il s'agit d'une dignité de prestance, de maintien. Ce n'est pas le sens le plus important. Généralement, on distingue trois sens du mot dignité si on prend le sens moral. La dignité peut être liée à ce que l'on fait. On peut se comporter de manière indigne. C'est facile de comprendre dans ce sens-là. La dignité est liée à la manière dont on nous traite. On parle parfois, en parlant des personnes âgées dans les institutions, qu'elles sont traitées de manière indigne et qu'elles ont un sentiment d'indignité. Ceci sont des indignités qui sont liées au comportement de soi-même ou d'autrui. Mais en général, on rajoute un troisième sens, qui est la dignité humaine, human dignity. On emploie souvent le terme allemand Menschenwürde, parce que ce sont les Allemands qui, après la dernière guerre, ont largement insisté là-dessus. C'est l'idée que les êtres humains ont une valeur ou une dignité indépendamment de ce qu'ils font et indépendamment de ce qu'on leur fait, même si bien sûr cette dignité peut être violée, elle ne peut pas être détruite. L'être humain ne perd jamais sa dignité humaine, mais bien sûr on peut violer cette dignité dans des comportements que je vous ai mis sur la droite, notamment l'humiliation, comme la torture, ou l'instrumentalisation, comme l'esclavage. Vous voyez, donc il y a cette idée de nouveau que la dignité humaine est quelque chose qui est une propriété, un attribut de tous les êtres humains, quelles que soient leurs actions et quoi qu'on leur fasse. Et c'est ça le cœur du concept de dignité. C'est quelque chose que l'on possède parce que l'on est et pas en fonction des relations que nous avons vis-à-vis de notre environnement. Et ceci va être la base aussi de l'attribution de la dignité aux êtres non humains. Alors une citation et puis une illustration, quelques auteurs, des auteurs assez anciens. Le concept de dignité est ancien. On trouve même chez Cicéron des mentions, mais voilà un exemple du XIIIe siècle où Thomas d'Aquin nous dit que la dignité signifie la valeur qu'un être possède à cause de lui-même, et il l'oppose à l'utilité, qui est la valeur qu'un être possède à cause des autres. Et il précise que la dignité humaine consiste à naître libre et à exister pour soi-même, être conscient de soi, etc. Ça, c'est la vision tout à fait classique. Elle a été un petit peu modifiée et renforcée par Pic de la Mirandole, un auteur de la Renaissance qui est le premier à écrire un traité de la dignité humaine et qui place l'être humain et la valeur de l'être humain dans la grande chaîne des êtres. C'est un concept que ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'histoire de la biologie avec laquelle ils sont familiers. Il y a effectivement des êtres matériels et des êtres immatériels dans la nature, dans une vision théologique, bien sûr, et chrétienne du monde. Dieu, les anges et les êtres humains sont des êtres en partie immatériels, pour l'être humain en partie. Et l'être humain, les animaux, les plantes et les pierres sont des êtres matériels. L'être humain a une position très spéciale au milieu. Il est à la fois matériel par son corps et immatériel par son âme. Et ça lui donne une dignité et un statut spécial. Et Pic de la Mirandole dit quelque chose d'assez étonnant. C'est que dans le fond, l'être humain n'a pas de nature. Il peut devenir un végétal, un animal, un ange ou un dieu selon son comportement. Et c'est à l'être humain de définir lui-même ce qu'il veut être. C'est une des premières affirmations de la liberté et de l'autonomie fondamentale de l'être humain qui doit se construire lui-même. Et c'est en cela que réside sa dignité. Un troisième auteur, ce sera la dernière illustration. Emmanuel Kant, qui a beaucoup parlé de la dignité, mais qui développe une vision anthropocentriste, c'est-à-dire qu'il réserve la dignité pour les êtres humains. Et il dit ceci: toute chose a soit un prix, soit une dignité. Ce qui a un prix peut être remplacé par quelque chose d'autre, comme son équivalent. Ce qui est au-dessus de tout prix et qui par conséquent n'admet pas d'équivalent a une dignité. Et c'est une conception, c'est du XVIIIe siècle, Emmanuel Kant, mais qui va devenir dominante jusqu'au XXe siècle. On appelle ça donc anthropocentrisme. Seul l'être humain a une dignité. Quant aux autres êtres, comme les animaux et les plantes, ce sont des choses et non qu'un prix. Et Kant est très clair, il reprend ceci un peu du droit romain en disant que les animaux, il ne parle même pas des plantes, sont des êtres dont on peut disposer à sa guise.
précise quand même qu'il ne faut pas les torturer ou pas les faire souffrir, mais pas parce qu'on leur fait du mal à eux, mais parce que si je fais souffrir un animal, je me montre inhumain et je commets une faute contre moi-même, mais pas contre l'animal. Voilà, disons, ça, c'était donc une distinction importante et qui va avoir des répercussions jusqu'au XXe siècle, où les choses vont un peu changer. On va voir, alors oui, auparavant, je vous l'avais déjà dit, il y a deux paradigmes de la violation de la dignité, c'est l'esclavage et la torture. Et ça, c'est resté dans notre ordre juridique. Hein. La Déclaration des droits de l'homme condamne particulièrement l'esclavage et la torture, des traitements dégradants, enfin, il y a plusieurs formulations. Mais ceci, donc, est conservé, bien sûr, mais va se rajouter deux nouvelles conceptions au XXe siècle. D'un côté, ce qu'on appelle le pathocentrisme, qui consiste à dire que ce qui compte pour avoir une dignité, le terme n'est pas toujours employé, mais en tout cas une valeur intrinsèque, ce n'est pas le fait d'être un être humain ou d'être doué de raison, c'est le fait d'avoir une sensibilité qui nous permet de souffrir et d'être heureux, d'où le terme pathocentrisme, pathein en grec, ça veut dire souffrir. Tous les êtres donc qui sont doués de sensibilité ont un statut moral et une valeur intrinsèque. Et puis il y a encore plus récemment peut-être le biocentrisme qui dit que non, pas, il suffit pas, enfin, il n'y a pas seulement les êtres qui peuvent souffrir qui ont un statut moral, mais ont un statut moral tous les êtres vivants, par cela même qu'ils sont vivants, parce que les êtres vivants ont des besoins, ils ont même peut-être, disent certains, des intérêts, et que l'on doit les respecter, qu'on ne doit pas les traiter comme bon nous semble. Voilà deux citations de deux auteurs qui représentent ce mouvement. Le premier, c'est Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer qui dit ceci, « La sensibilité, comme ça qu'on traduit sentience en général, on peut discuter de la traduction, est une bonne condition pour avoir un critère de valeur intrinsèque. Il est nécessaire d'être sensible pour pouvoir se déplacer, ressentir des émotions ou même être rationnel. » Le thème de la rationalité des animaux est aussi un thème beaucoup développé chez ces auteurs-là. Quant à Kenneth Goodpaster, lui dit, ce n'est pas la rationalité ni la capacité d'expérimenter du plaisir et de la douleur qui sont nécessaires pour avoir un statut moral. Il suffit d'être vivant. Il suffit simplement d'être vivant. C'est suffisant, d'après moi, pour pouvoir avoir un statut moral, c'est-à-dire comme critère de statut moral qui n'est pas arbitraire. Voilà donc, vous voyez, ce petit excursus concernant la dignité. Mais donc la dignité, ce n'est pas très compliqué. Dignité est un concept relativement formel et vide. Il dit simplement qu'à une dignité, tout être qui possède une valeur intrinsèque, c'est-à-dire une valeur par lui-même, et pas seulement une valeur d'utilité, une valeur affective. Alors ensuite, qui possède cette dignité, qui a un statut moral donc? Bien, traditionnellement, en tout cas depuis le XVIIIe siècle, seulement l'être humain, et depuis, d'autres auteurs pensent qu'il faut rajouter les animaux, disons, pour faire simple, et même tous les êtres vivants, donc notamment les plantes, dans une approche biocentriste. Et ces trois approches continuent à se disputer le champ. On ne peut pas dire que l'une a gagné, on ne peut pas dire que l'une a emporté l'adhésion. C'est trois positions qui continuent à être en conflit, en compétition, dans les débats philosophiques et sociaux. Et notamment à la Commission fédérale pour la biotechnologie dans le domaine non humain dont je faisais partie et qui a été mentionnée, eh bien, on trouvait des représentants de ces trois traditions. Et les débats étaient parfois relativement chauds. Mais en Suisse, vous savez, on a l'habitude d'être en désaccord. On a 22 cantons et donc au moins 22 avis. Et donc, on avait en général, on ne sentait pas le besoin, comme c'est souvent le cas, par exemple, en France, où je fais aussi partie d'une commission d'éthique à l'INSERM, on a souvent besoin d'avoir l'unanimité. Non, on avait simplement, on mettait dans nos recommandations, la majorité pense que, puis on a des minorités qui pensent que. Voilà. Ça ne nous pose pas de problème particulier. On laisse ensuite les députés et le Conseil fédéral trancher, voire le peuple, puisque le droit de votation existe. Voilà, alors, justement, quelques mots maintenant pour vous donner des éléments sur la manière dont ce concept de dignité de la créature, et donc des plantes, a été concrétisé
dans le droit suisse, ou du moins dans la réflexion éthique et juridique de la Suisse. Alors d'abord, petite plaisanterie, voilà ce qu'on pouvait lire dans un journal suisse alémanique qui disait que la commission d'éthique prend soin, a du souci pour la dignité des salades. Et il était indiqué dessous, les plantes doivent avoir la même protection de la Constitution que les animaux. Petite anecdote, je vous signale que le peuple suisse et la commission suisse ont eu le prix Ig Nobel, pour ceux qui connaissent de quoi il s'agit, le prix Ig Nobel de la paix, pour avoir décrété que les plantes ont une dignité. Bien, voilà, donc vous voyez qu'en Suisse, même certains trouvent ça un peu absurde. D'autres pas, là aussi le débat continue. En général, ceux qui trouvent ça absurde sont plutôt un peu anthropocentristes, et puis les biocentristes ne trouvent pas ça très absurde, même s'il n'est pas fréquent, effectivement, d'utiliser le terme de dignité pour les êtres non humains. Alors, comment faut-il comprendre la dignité des êtres non humains? Eh bien, vous voyez, si on prend l'article de la Constitution, on voit que la dignité humaine doit être respectée et protégée, c'est tout ce qui est dit, et que la dignité des autres êtres, on doit en tenir compte, doit être prise en considération. On voit immédiatement que c'est moins fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'idée de la Commission fédérale était la suivante. La dignité humaine implique que les intérêts humains ne doivent jamais être subordonnés aux intérêts de tiers. Donc, les intérêts des êtres humains sont dominants, sont presque, mettez des guillemets, absolus. Ils ne sont pas tout à fait absolus parce qu'ils peuvent entrer en conflit. Et là, il faut bien sûr faire un arbitrage. Mais les intérêts humains l'emportent sur toute autre considération, notamment sur des considérations économiques qui parfois peuvent entrer en conflit avec les intérêts des êtres humains. Quant à la dignité de l'animal, c'était sur l'animal que cette prise de position a d'abord été faite, eh bien, la dignité de l'animal est respectée quand on fait une évaluation de ses intérêts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit évaluer les intérêts de l'être humain, ça veut dire que les intérêts doivent être pris en considération, on doit faire une pesée d'intérêts, et il y a des situations où des intérêts de l'animal pourraient l'emporter sur les intérêts de l'être humain. Et notamment, d'après cette commission, il y a un certain nombre de contraintes qu'on peut faire peser sur les animaux qui sont, à première vue, susceptible de consister en une violation de la dignité des animaux. Il s'agit de leur infliger de la douleur ou des dommages, il s'agit de leur infliger de l'anxiété et de les humilier, il s'agit de manipuler leurs capacités ou de les instrumentaliser de manière excessive. Alors, il faut bien voir que ces quatre éléments ne sont pas des absolus. On peut faire souffrir un animal si on a une raison suffisante de le faire. Et généralement, on pense que c'est le cas, par exemple, dans l'expérimentation animale. Mais c'est quatre points qui sont particulièrement sensibles et dont il faut tenir compte. Pour les plantes, il y a une seconde prise de position qui a été faite et où on rappelle ici que il n'y a pas seulement les animaux dont il faut respecter la dignité, mais aussi les êtres vivants. Mais on précise quand même que par être vivant, on entend les animaux, les plantes et sans doute les autres organismes, mais au point de vue législatif, on va se limiter aux animaux et aux plantes. Effectivement, parler de la dignité des staphylocoques peut commencer à paraître véritablement délicat. Bien, donc, on doit tenir compte de la dignité des plantes. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, la Commission a repris toute une série, d'abord, de distinctions classiques. Je passe assez vite puisque le temps passe, en distinguant effectivement différents types de valeurs, comme je vous l'avais fait auparavant, des valeurs instrumentales, des valeurs relationnelles et des valeurs inhérentes, c'est ce que j'appelle la valeur intrinsèque, disant que c'est ça la dignité. Les plantes possèdent une valeur inhérente. Cette valeur inhérente signifie qu'elles doivent être protégées pour elles-mêmes. Ça, c'est un concept important. On peut protéger les plantes pour protéger les intérêts de leurs propriétaires. Si vous avez un jardin, votre voisin n'a pas le droit de venir couper vos fleurs parce qu'elles vous appartiennent. Mais on ne dira pas qu'en coupant des fleurs, votre voisin a fait un tort aux plantes.
L'idée de la dignité, ça veut dire qu'il y a des situations où l'on peut causer un tort à un végétal ou à une plante, pas en fonction de son propriétaire ou même en fonction de sa valeur esthétique, mais parce qu'on fait un tort à la plante elle-même. La question, bien sûr, est de savoir qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont les situations dans lesquelles cela peut se passer. Et comme vous allez le voir, la commission a eu quand même pas mal de peine là-dessus. La commission a ensuite distingué ce qu'on avait vu avant, ce qu'elle appelle le ratiocentrisme, c'est l'anthropocentrisme. Mais comme je vous l'avais dit, on valorise l'être humain parce qu'il est doué de raison. Le pathocentrisme et le biocentrisme. Et à partir de là, donc, bon, chacun des les membres des commissions se sont un petit peu répartis sur les trois, sur ces trois échelles, sur ces trois, dans ces trois catégories. Mais vous allez voir, dans ses conclusions, la commission a eu de la difficulté. Voilà ce qu'elle a conclu. Le seul critère sur lequel tous les membres peuvent sont tombés d'accord, malgré des intuitions très différentes, très divergentes, était qu'on ne doit pas causer un dommage ou détruire une plante de manière arbitraire. C'est ça qui est important. Par contre, si des manières concrètes d'agir peuvent être dérivées, peuvent être tirées de cette interdiction du traitement arbitraire des plantes, et ce que ça veut dire demeure peu clair. Donc il y a l'idée que, et ça se comprend assez bien, si la plante ou le végétal a une valeur par lui-même, et pas seulement donc une valeur pour nous, les êtres humains, pour les animaux, même pour l'écosystème, mais si elles ont une valeur par elles-mêmes, eh bien, il faut que, d'une certaine manière, il faut avoir une bonne raison pour lui causer un dommage. Et agir arbitrairement, c'est agir sans bonne raison, justement. Donc, il est immoral, d'après cette position, de causer un dommage à un végétal, mais seulement si ce dommage est causé de manière arbitraire. Et on a essayé, la commission en tout cas a essayé de donner un exemple en disant que la définition d'un dommage arbitraire ou d'une destruction arbitraire, c'est un dommage causé sans raison rationnelle, c'est-à-dire sans raison suffisante, on pourrait dire aussi. Ne pas détruire des plantes arbitrairement ne signifie pas que n'importe quelle raison est suffisante pour justifier leur destruction, mais qu'il doit y avoir une raison rationnelle. Il ne suffit pas de dire « j'avais envie » simplement, par exemple. Voyez. Un exemple de traitement arbitraire, mais c'est un exemple qu'on a essayé de donner, je vous laisse juge, utilisé dans la discussion, était considérer un fermier qui, après avoir coupé l'herbe de sa prairie pour ses animaux, décapite des fleurs avec sa faux en retournant chez lui sans aucune raison. Je vous rappelle, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'étais jeune et je voulais savoir si j'étais amoureux, je prenais une marguerite et je faisais « je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ». Est-ce que c'est une raison rationnelle? Je ne sais pas. Mais enfin bon, pour moi c'était important. Remarquez, je ne pense pas m'être marié quand même sur la base de ce que m'a dit une marguerite, mais bon, c'est jamais. Toutefois, je termine le texte, ce sera d'ailleurs mon dernier diapo. Il est peu clair, effectivement, à ce niveau-là, si cette action est condamnable en fonction de l'attitude du fermier lui-même envers les autres organismes ou parce qu'il y a un dommage est causé à la plante elle-même. Vous voyez, avec les plantes, dans le fond, on a beaucoup de peine à savoir si leur protection, quand on veut les protéger pour elles-mêmes, si vraiment on les protège pour elles-mêmes ou si ce n'est pas simplement toujours nos intérêts qui finissent par l'emporter ou nos envies qui finissent par l'emporter. Je vous laisse avec cette réflexion. Effectivement, que signifie concrètement la dignité des êtres, des plantes? Abstraitement, on voit bien, c'est qu'elles ont une valeur intrinsèque, qu'elles ne sont pas seulement des êtres à notre disposition, mais concrètement, ça devient plus difficile. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bernard Berthier. Est-ce que nous avons des questions? Oui. Press the button. Oui, bonjour. Julie Perrin, anthropologue. Merci beaucoup pour votre présentation qui m'a beaucoup intéressée.
Je voulais savoir s'il y a des... Si cette, finalement ce rapport de cette commission fédérale a eu des effets concrets dans les pratiques, que ce soit des industriels, des particuliers, des entreprises. Écoutez, à ma connaissance, pas énormément. Bon, il faut dire que j'ai quitté la commission peu après. Et donc, je suis parti dans d'autres sujets. Mais bon, le débat ensuite est quand même plutôt parti du côté des OGM. Et la question qui a été posée, mais sur laquelle on n'était pas d'accord non plus, c'est est-ce que modifier génétiquement une plante est une violation de sa dignité ? Certains le pensent, hein, puisque dans le fond, c'est les capacités naturelles de la plante qui sont modifiées. Auquel cas d'autres, comme moi, ont fait remarquer qu'avec la mutagenèse, on se comporte encore plus violemment vis-à-vis des plantes. Hein. Donc, je ne crois pas que ça ait donné, que ça ait le moindre effet législatif. Contrairement à la question de la dignité de l'animal, où là, alors, ça a beaucoup changé, à la fois dans l'élevage des animaux et dans l'expérimentation aussi animale. D'ailleurs. Mais, vous voyez, avec les animaux, on est quand même beaucoup plus à l'aise, parce qu'on a un point commun quand même avec les animaux sur lequel on se met facilement d'accord, c'est qu'on peut souffrir, on sait ce que ça veut dire, souffrir, mourir. D'ailleurs, quand on parle des animaux, on parle souvent des mammifères. Hein, même Tom Regan, qui vient de mourir d'ailleurs, un des grands défenseurs des animaux, disait par animaux, j'entends un mammifère âgé d'une année ou plus. Voyez. Donc, on a des problèmes. Même pour les plantes, je ne vois pas que ça ait eu des effets, sauf peut-être renforcer le débat sur les OGM, mais de toute manière, la population suisse comme européenne est anti-OGM, indépendamment des questions de dignité, parce que pour des questions environnementales ou parce que les gens pensent que c'est mauvais pour leur santé. Voilà, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais regardez si vous allez sur Google, des fois, vous trouvez dans ou bien vous envoyez un email à la secrétaire de la commission, elle vous répondra très volontiers. J'aurais une question. Est-ce qu'on peut considérer, sachant qu'une espèce est menacée et que nous serions en Suisse responsables de sa disparition, atteindre à sa dignité en laissant cette espèce disparaître ? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que l'ordre juridique et l'ordre normatif suisse comme européen protègent des individus, protègent jamais des groupes. Et le débat a eu lieu dans la commission. Certains membres de la commission pensaient que ce qui avait une dignité, ce n'était pas les individus, quand on parle des plantes, hein, c'était les groupes. Puis la question, évidemment, il y a une question en plus que vous connaissez bien dans le domaine botanique, c'est quoi un individu dans le domaine botanique, un champignon, quel est l'individu, etc. Alors bon, les débats n'ont pas été beaucoup plus loin parce que bon, c'est quand même des choses, vous voyez, il y a quelques scientifiques, mais il y a beaucoup de gens qui sont des philosophes ou des théologiens. Donc, on n'est pas vraiment outillé pour ça. Il aurait fallu interviewer plus de monde, de spécialistes. Mais ça a été soulevé. Alors, en général, la réponse est de dire, nous cherchons à protéger les espèces et la biodiversité parce que c'est dans notre intérêt. Voilà. Et ça nous donne une raison suffisante pour qu'on n'ait pas besoin peut-être de pousser la question plus loin. Mais je pense que c'est une vraie question. Est-ce que véritablement, en parlant des droits, on parle aussi des droits des minorités en parlant des êtres humains. Donc, il y a des groupes auxquels on donne des droits. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose au niveau des espèces? Et il y a même des biocentristes radicaux qui disaient que, dans le fond, mais détruire la dernière fleur d'une espèce rare est plus grave moralement que de tuer un être humain, parce que des êtres humains, il y en a tant qu'on en veut. Ce n'est pas politiquement très correct, et c'était un peu de la provocation. Je ne pense pas qu'ils le pensaient réellement. Mais bon, ça soulève ces questions normatives et conceptuelles qui sont vraiment intéressantes. Une dernière question. Bien, alors. Ah oui, là-bas au fond. Oui. Hello, a question in English, I'm afraid. At the moment, our conservation priorities are centered on ecosystem services, which are all very much about the instrumental value of organisms. Do you think it is feasible for us to move more towards an intrinsic value for organisms and environments? Dites-moi si j'ai bien compris, parce que ça résonne beaucoup. Vous aimeriez savoir si les organismes dans l'écosystème ont une valeur intrinsèque, mais c'est l'écosystème lui-même qui aurait une valeur ou l'organisme lui-même? Do you think that it is the ecosystem itself that has an intrinsic value or the organism in relation to its ecosystem?
At the moment, sort of particularly in sort of in the UK at the moment, we're only allowed to kind of conserve things for their ecosystem value to humans. So it's the relation of the organisms to each other and the services they provide. So for example, if they provide us pollination so we can have crops, or they protect the soil, or they protect water for human beings, and we are losing the ability to conserve organisms for their own intrinsic value. Alors, il existe, je réponds en français, ou, il existe un, si j'espère que je vous réponds, vous me direz, il existe une position dont je n'ai pas parlé qui s'appelle l'écocentrisme, qui considère effectivement ce qu'il faut protéger, ce ne sont pas les organismes individuels, mais les écosystèmes, et donc que la valeur d'un organisme n'est pas à prendre en le regardant lui, mais en regardant sa contribution à ce que certains ont appelé sa communauté biotique. Paul Taylor, notamment, avait défendu cette position-là. Et cette position radicalement différente de toutes celles que j'ai présentées, puisqu'elle considère que la valeur d'un être dépend de sa contribution à la communauté biotique. Et là aussi, puisqu'il est bien provoqué, il avait dit que le seul commentaire adéquat à la disparition de l'espèce humaine serait « bon débarras », « good riddance », parce que l'être humain n'est pas très bon pour les écosystèmes, il faut malheureusement le reconnaître. Mais ça, c'est une manière de voir qui, je pense, qui est intéressante, mais qui ne cadre pas du tout avec l'ordre juridique et éthique occidental, qui effectivement insiste sur la valeur intrinsèque et donc sur l'individu lui-même. C'est peut-être une faiblesse de notre manière d'approcher les choses. Mais ensuite, ça devient, effectivement, il faut reconnaître que ça devient difficile de mettre sur la balance à la fois la valeur, l'écosystème lui-même, les organismes qui en font partie, comment va-t-on les traiter, etc. Ça complique la situation, mais c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Was it a good an answer? Yes, it was. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, Bernard Berthier.